Il faut savoir qu'en Syrie, les kachiches n'ont pas le droit de témoigner au tribunal parce qu'ils sont détestés. Et ici, ils sont détestés parce qu'ils construisent leurs pigeonniers au-dessus des caravanes. Et lorsqu'ils montent, ils voient ce qui se passe chez les voisins. Une femme sans voile. Ils jettent des pierres, ils crient, ils sifflent, font du bruit. Il y a eu des plaintes et des bagarres à ce propos. À m'intéresser aux choses vers 9 ou 10 ans. J'ai aimé les pigeons, j'ai aimé les élever, pour voir comment ils se comportent dans la vie, comment ils volent, comment ils vivent chez les gens. Ça m'a plu d'avoir des poussins, de les voir grandir, voler et revenir chez moi. J'ai pris l'habitude d'en acheter, ils se reproduisaient et j'en ai eu beaucoup. Élever des oiseaux est un défi, une aventure, avec aussi de la sympathie, de la compréhension. Tu sens que tu as réussi ou simplement fait quelque chose. On connaît l'animal, il n'est pas si compliqué. On le dresse et on l'entraîne. Certains comprennent l'oiseau et d'autres non. C'est ça qui est très beau, de comprendre l'oiseau. Avec le pigeon, tu sens une proximité, il y a un échange. L'idée m'est venue de ramener des pigeons et d'ouvrir un magasin avec un cousin. Au début, on avait environ 25 couples, soit une cinquantaine d'oiseaux. Rien que des pigeons au début. On les a fait entrer dans des caisses, ni vu ni connu, et personne ne nous a rien dit. On a vu que ça marchait bien et qu'il y avait suffisamment d'acheteurs. On a arrangé le magasin à notre goût et on a rapporté une centaine de couples, environ 200 oiseaux. Des oiseaux de prix et d'autres non. Ces 200 oiseaux, ils ne nous ont pas fait 3 jours. Tout a été vendu. On a commencé avec 2 ou 3 couples. Et ils ont commencé à se reproduire, encore et encore. On a commencé à en vendre certains, et on en a acheté d'autres. Le pigeon tourne toujours en cercle, au-dessus de la maison, pour ne pas s'éloigner. Lorsque l'oiseau connaît bien l'endroit, il ne fait qu'un tour ou deux, puis il part loin, sur de longues distances. Il sait qu'il est tranquille. En général, le pigeon domestique, quand il s'envole, il cherche à voir où il est, ce qui l'entoure, où est sa maison, jusqu'à ce qu'il reconnaisse son environnement. Alors nous, on fait quoi? On siffle, pour lui dire où aller. Il fait un tour, et il revient. Si on veut qu'il aille loin, on lui dit. Sinon, il reste au-dessus de sa maison. Là où il y a sa femelle,
ses œufs et ses poussins, jusqu'à ce qu'on lui dise de descendre. Nous, c'est pareil. On tourne autour du camp et on revient là où on mange, où on boit et dort. Mais à la fin, comme l'oiseau, on rentrera chez nous en Syrie. Et on est là en attendant la fin des problèmes pour rentrer dans nos campagnes. Et le plus vite serait le mieux. Ici, quoi qu'on fasse, c'est pas à nous. On veut partir. On attend que Dieu règle ça pour rentrer chez nous. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Quelle que soit la manière dont le camp évolue, ici, tu n'y seras pas bien. Ici, c'est une cage dorée. Tout est disponible. Mais ça reste une cage. Par exemple, mon élevage, là, je n'ai pas l'impression qu'il m'appartient. Parce que je peux rentrer à n'importe quel moment. Et que je ne l'emmènerai pas avec moi. Mais lorsque tu as ouvert un magasin, tu sens que c'est pas à toi. Imaginons que demain matin, les gens puissent rentrer en Syrie sans problème majeur. Je suis sûr et certain qu'ils rentreront directement, sans rien d'autre que la chemise qu'ils ont sur le dos. Nous rendons la vie difficile aux Jordaniens et on s'en excuse. Mais on n'avait pas le choix. Et ils nous ont acceptés comme de la famille. Et quand tu penses à tout ça, tu réalises que tu es devenu un poids pour d'autres. C'est pour ça que les gens ne se sentent pas bien. C'est dans la tête que ça ne va pas. C'est pas qu'on soit fatigué, ni rien, mais à l'intérieur, tu n'es pas en paix. Et le problème, c'est la Syrie. On le sait tous. La justice, ceux qui ont perdu quelqu'un, la douleur. Mais ici, les gens essaient de se réconforter, d'alléger leur peine. Alors, vu de l'extérieur, ça va. Mais si tu approfondis, il y a de la douleur et de la tristesse. Tout le monde souffre, tout le monde. Si tu as perdu ton frère, si tu as perdu ton père ou ta mère ou ton cousin, si tu as perdu personne, c'est que tu as pris des balles. C'est ça le camp de Za'atari. Ce qu'on fait avec les pigeons, c'est toute notre vie.
Déjà, ça nous aide à affronter l'attente. Et deuxièmement, lorsque tu te sens seul, tu es assis là dans ton coin et tu te sens pousser des ailes. Ça nous distrait quand on s'occupe des pigeons et on ne pense plus à rien d'autre. Ça nous sort de nos problèmes, de la situation en Syrie. Quand on voit les pigeons voler, on oublie tout ça. En Syrie, il n'y avait pas autant d'éleveurs. Même ceux qui n'y connaissent rien s'y sont mis. Parce qu'ils sont assis toute la journée, à ne rien faire. Ici, l'élevage, c'est du divertissement. Mais quoi qu'on fasse, qu'on ait des pigeons, du travail, quoi que ce soit, lorsqu'on mettra ce soir la tête sur l'oreiller, on ne pensera qu'aux douleurs de la Syrie, aux problèmes de la Syrie, à ceux qui y sont encore, et que Dieu les protège. Amen. Nous, on sait que lorsqu'un pigeon reste longtemps en vol, jusqu'à 3 heures parfois, sans revenir, on sait que pendant ce temps, il cherche le propriétaire chez qui il est né. Au moment où les fleurs s'ouvrent, comme les amandiers, les pêchers, les abricotiers, tous ces arbres fruitiers, quand leurs fleurs s'ouvrent, l'oiseau retourne d'où il vient. Quand leurs fleurs s'ouvrent, l'endroit où l'oiseau a grandi lui manque et il veut y revenir. Et nous, c'est pareil, Inch'Allah. Aussi loin qu'on aille, à la fin, on retourne toujours en Syrie.